Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Friedman et je suis très heureuse de vous présenter mon nouveau livre « Jacques l'enfant caché ». En 1942, ma grand-mère et mon père sont seuls à Paris. Toute la famille est dispersée ou cachée en France. Pour sauver la vie de son fils, parce que la police française est venue les arrêter, ma grand-mère n'a pas d'autre choix que de se séparer de son petit garçon. Elle s'est d'abord réfugiée chez de la famille proche, mais c'est pas possible, ça n'a pas été possible d'y rester. Et donc, elle va confier son petit garçon, Jacques, qui a 8 ans, au pasteur Jousselin, qui a ouvert une colonie de vacances dans l'Oise. Jacques se sépare pour la première fois de sa maman, et il va découvrir un monde qu'il ne connaît pas. D'abord la campagne, et d'autres enfants qui sont tout aussi traumatisés que lui par l'époque, et puis aussi la culture protestante. Il a le cœur brisé d'être loin d'elle, et lui, il n'attend qu'une chose, c'est que la guerre finisse pour pouvoir retrouver sa maman. En toile de fond, évidemment, on a tout ce que peuvent penser et ressentir les enfants cachés de cette époque, et puis la vie à Paris sous l'occupation. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer lors de dédicaces, et je vous dis à très bientôt.